Compatriotes haïtiens, en deux pays, tant que c'est là qui l'autre bord de l'eau ou bien l'autre bord frontière, moi salue nous tous à la Ronde Badet. Moi venu parler avec nous à ce dimanche 6 octobre 2024, là, dans un moment très critique dans la vie pays. La situation n'est pas bon, malgré bonne volonté, malgré gros efforts qu'a fait dans divers domaines, particulièrement dans le domaine de sécurité, qui c'est première priorité autorité à la tête de l'État. Gang armé continue à s'immer d'œil dans la population. Jeudi 3 octobre, gang Grand Griffe dans Savien massacré plus passé 70 chrétiens vivants dans le Ponsondé dans le département de la Tibonite. C'est avec un pile tristesse dans le m'a présenté moun la Tibonite, tout peuple haïtien. Condoléances. Je salue la police nationale là, qui déploie rapide pour venir nettoyer la zone. Mettez l'ordre, permettre l'activité de reprendre pour la population à vivre dans la paix. C'est dans la conjoncture, côté l'école là l'ouvrir, mais en pile de monde pas arriver à rentrer l'école, surtout dans la capitale là. Pays voisin, République dominicaine, continue à maltraiter compatriotes nous, prend décision, pimper, ban nous environ 10 000 chaque semaine sous frontière. L'État haïtien prend toute disposition pour accueillir nous. Sous plan politique, mercredi 2 octobre, ULCC, organise l'État qui a lutté contre la corruption, présenté rapport enquête sur le scandale corruption 100 millions de gouttes qui touchait 3 conseillers présidents et qui affectait l'image tout conseil présidentiel transition. Après publication rapport ULCC, le conseil présidentiel n'est pas capable de casser feuille couvrir ça. Il est obligé de gagner une position claire. J'en m'étais dit déjà, dans la date 30 juillet, dans l'occasion 47e réunion chef l'État et chef gouvernement pays CARICOM, qui était faite dans le pays La Grenade, ULCC saisit le dossier, le conseil présidentiel là, attend de produire un rapport en toute indépendance pour les cap prendre position. Il encourage le travail vite. Entre-temps, nous te souhaité, conseiller qui te concerné, te accepté eux-mêmes, tu la koyo, pas participer de travail conseil présidentiel là, pour permettre le processus transition à continuer à avancer sans dommage, pendant la justice a fait chemin pour arriver à faire lumière jaillir sur dossier A pour la vérité paraître claire et puis fixer responsabilité. Yo. Malheureusement, yo pas de comprendre, ça t'a pis bon. Dossier a sorti, ULCC baille conclusion travail. Moi-même, qui voulais respecter l'institution avec la loi pays, dans souci pour protéger l'image du conseil présidentiel, là, et puis rester cohérent avec ce que je dis déjà, je ne suis pas capable d'accepter de participer dans aucune démarche qui a affaibli plus et puis dévalorisé la justice pays. Dans le même temps, tout, voyez mauvais signal par la population. C'est ça qui explique que je refuse de signer et je ne pas signer la résolution du Conseil au Prend dans la date vendredi 4 octobre 2024. La route du Conseil prend, dans la grande majorité, li, pas bon. Il risque de jeter nous dans l'instabilité, comme ça aggraver la situation pays, prolonger la période de transition. C'est dommage. Je continue à croire dans le pays, dans le courage et la conviction du peuple haïtien qui veut le changement dans la paix, sécurité, travail, tête ensemble pour l'autre Haïti. C'est l'union qui fait la force. C'est dans le respect de la loi, nous avons fait la justice blaye pour lever le pays. Vive Haïti!